La microbiologie est une branche de la biologie clinique. Donc elle traite tout ce qui est prélèvements qui ont été faits dans le cadre d'une suspicion d'une infection. Et donc c'est à nous de trouver le virus, la bactérie, la mycobactérie, le parasite, le champignon en cause de cette infection potentielle. Et en plus, il faut savoir, quasi chaque patient qui est pris en charge à l'hôpital a au moins un prélèvement qui est analysé au laboratoire. Chaque année, c'est plus ou moins 200 000 prélèvements que nous traitons. Et en plus, il faut savoir que chaque prélèvement est pris en charge de manière différente selon ce qu'on cherche, selon ce qu'on doit trouver. Le travail du microbiologiste est clairement un travail en groupe. Dans le laboratoire même, on a une super équipe de technologues. Ils sont là du matin jusqu'au soir, 7 jours sur 7. Ils prennent en charge tous les prélèvements, ils les ensemencent, ils font les lectures. On a aussi des assistants qu'on forme, on est derrière, mais ils sont en première ligne. Ça, c'est un peu en interne dans le laboratoire même. Mais à côté de ça, on a bien sûr beaucoup d'interactions avec les infectiologues. De manière quotidienne, nous avons un staff en fin de matinée et on discute de tous les prélèvements précieux, positifs, particulièrement les hémocultures. Il y a deux sujets qui me passionnent particulièrement. Alors, le premier sujet, c'est plus un outil. C'est un appareil de spectrométrie de masse. C'est une petite révolution puisqu'avec cet appareil, quand on a une colonie bactérienne, on ne peut obtenir une identification en à peine 5 minutes. À côté de ça, ma deuxième passion professionnelle, c'est le diagnostic microbiologique des bactériémies. Alors, je pense que le laboratoire de microbiologie a un rôle majeur à jouer dans ce diagnostic. On a ce devoir d'apporter un résultat d'identification rapide du germe en cause d'une bactériémie, puisque clairement il a été démontré qu'ainsi on peut mieux soigner le patient. Je compare toujours le laboratoire d'un hôpital ou aux coulisses d'une salle de spectacle. On y œuvre vraiment avec beaucoup d'acharnement, toute une équipe un peu en cachette pour donner un beau résultat de qualité.